le bureau du Sénat nous a fait un bras d'honneur quand même avec ce vote de 13 voix sur 12 et nous on s'est dit qu'on allait faire une haie d'honneur en revanche. Notre costume de Dalton, ça représente ces personnages qui ont évité la prison de justesse et qui ont réussi à s'en échapper. Et on pense que Dassault, avec ce vote 13 voix contre 12, a échappé à la prison de justesse. Ils ont courageusement résisté aux attaques de la justice, courageusement résisté à la pensée unique, à la pression qui voulait que, après une deuxième fois, il fallait cette fois-ci lever l'immunité de Serge Dassault. Et ils ont protégé le grand patron du Figaro, donc quelque part, ils ont aussi protégé la liberté de la presse en refusant de lever l'immunité parlementaire. Donc avec Sauvons les riches et quelques citoyens motivés, on est venu leur rendre hommage. Je pense que rien que les 12 sénateurs UMP et UDI qui ont fait bloc pour protéger Serge Dassault ne font pas honneur vraiment à la fonction de sénateur. La justice ne pourra pas faire son travail à cause d'une instrumentalisation de l'immunité parlementaire parfaitement oligarchique où on se retrouve en gros avec, on imagine, 12 personnes de droite qui ont serré les coudes autour de leurs copains, une personne dite de gauche, on aimerait bien savoir laquelle, mais voilà, elle fait assez honte à son camp. C'est pas au Sénat de maintenir une immunité parlementaire de manière aussi opaque, c'est à la justice de faire son travail et de mener ses investigations sur toutes les affaires qui concernent ce monsieur Serge Dassault. C'est une honte pour la France, cette institution, c'est une défaillance grave. Je ne comprends pas qu'ils osent. Je ne comprends pas que dans le contexte actuel, de la souffrance sociale, de l'absence de justice, ils osent prendre une décision qui, d'évidence, est injuste et qu'ils le fassent à la face du monde. Cela me dépasse vraiment.